comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors j'ai fait un sondage Instagram dans lequel vous ne m'avez absolument pas aidé. Donc du coup aujourd'hui je vais te faire une vidéo sur comment poser un modèle homme. Et cette vidéo elle va être utile que tu sois un photographe, un apprenti photographe, ou même que tu sois modèle photo, influenceur, ou alors tout simplement que tu as envie d'avoir de belles photos de toi en tant que modèle homme. Ça va t'aider à te décoincer le cul. Et comme je sais que vous n'avez pas forcément de modèle professionnel à disposition, j'ai décidé d'utiliser comme cobaye pour cette vidéo. Tada ! Mon chéri Rukinu qui est à l'aise comme un manche devant l'objectif. Alors le premier conseil, c'est inclure et bouger un maximum tout ce qui est les mains. Pourquoi tout ce qui est les mains? Les mains. Pour les filles en général, on va leur faire faire des mouvements dans les cheveux, etc. Pour les hommes, c'est pareil, il faut vraiment utiliser les mains, pouvoir faire des poses un petit peu au niveau de la barbe, au niveau de la nuque. Le fait de rajouter des mains, que ce soit sur des portraits serrés ou même des portraits plus larges, ça rajoute tout de suite de la dimension à ta photo. Et tout ce qui a rapport avec ce côté du toucher, ça rend tout de suite sexy, mamacita, tout ça. Donc que ce soit sur des poses en gros plan où vous pouvez du coup mettre les mains vers le visage, vers la bouche, etc. Ou alors sur des plans plus larges où vous allez tout simplement lui faire toucher ses poignets, lui faire mettre les mains dans les poches. Mais vraiment inclure les mains, ça va tout de suite rajouter de la dimension et ça va donner quelque chose en plus à votre photo. Le deuxième, c'est si justement ton modèle n'est pas forcément à l'aise avec où mettre ses mains, ou alors que tu as déjà exploité cette idée, c'est de jouer avec des accessoires. Donc quand je dis accessoires, ça va être tout ce qui est bijoux par exemple, donc la bague, la montre, le collier, etc. Mais ça peut également être des accessoires extérieurs comme une clope, un mug, ça c'est toi qui vois, les possibilités sont nombreuses. Mais le fait de le faire interagir avec quelque chose, que ce soit une partie de sa tenue ou autre, ça lui donne tout de suite quelque chose à faire, donc ça le rend moins gêné, moins stressé. Et puis si tu regardes un petit peu sur les couvertures de magazines, sur les comptes influenceurs d'Instagram, etc., tu verras que la pose qui est toujours efficace, c'est genre de tripoter un petit peu sa bague ou son bracelet. Ça, c'est vraiment toujours efficace et ça te donne déjà quelques poses d'assurer. Le troisième type de pose que tu peux faire avec un modèle homme, c'est de s'appuyer sur un mur. Le fait de rajouter un mur, ça détend tout de suite ton modèle parce qu'il peut s'appuyer sur quelque chose et donc il a pas l'air con en plein milieu à pas savoir quoi faire de son corps. Donc c'est plus facile pour lui et en plus, il y a plein de poses à faire sur un mur. Tu peux faire par exemple de face, avec les bras ou les avant-bras posés sur le mur et donc il regarde vers toi ou alors il regarde en face, etc. Tu peux aussi faire appuyer sur le côté du mur avec la tête qui repose contre le mur ou alors qui regarde ailleurs. Tu peux aussi faire de dos contre le mur et de dos contre le mur il y a plein de variantes. Tu peux faire avec la jambe posée, tu peux faire juste les épaules sur le mur ou tout le corps, enfin bref il y a plein de possibilités. Et tu peux faire tout ça soit assis, soit debout. Donc vraiment là t'as plein de possibilités de pose déjà à exploiter et c'est quelque chose qui le rend à l'aise et c'est pas difficile à faire, il n'y a pas besoin d'un modèle pro. Le quatrième type de pose que tu peux faire, c'est de le faire marcher en regardant au loin. Alors ça doit être la pose que je vois le plus sur Instagram, sur les comptes d'influenceurs mode, etc. Mais parce que c'est une pose qui est facile, qui requiert pas d'expérience de modèle ou d'attitude de modèle, et qui rend toujours bien parce que c'est dynamique, parce que ça bouge. Donc du coup, tu as juste à te placer soit en diagonale, soit face au modèle, et tu fais marcher le modèle vers toi, et avec ses mains, tu le fais soit jouer avec ses accessoires comme on a vu tout à l'heure, soit il peut mettre les mains dans les poches, et au niveau du visage, il regarde au loin, il regarde à droite, il regarde à gauche, comme ça tu as plusieurs variantes, et ça c'est vraiment toujours efficace, c'est dynamique, ça marche bien parce que le fait qu'il y ait du mouvement, lui il a pas trop conscience de son corps et donc il a pas le temps d'être gêné. Et au moins t'as le temps de prendre plusieurs photos et t'en auras forcément une de bien dans le tas. Et ensuite le cinquième conseil qui est pas vraiment une pose mais qui est plutôt une attitude, c'est le fait d'être arrogant. Alors attention, quand je dis arrogant ça veut pas dire qu'il se croit meilleur que tout le monde et où il va commencer à faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs ça peut être compliqué avec un modèle qui a pas l'habitude, d'autant plus moi par exemple avec mon copain qui est la personne la moins arrogante du monde. Mais ce qui rend bien en photo c'est d'avoir la confiance en soi et d'avoir de l'aisance. Et c'est ça que je veux dire par arrogant, c'est qu'il faut le pousser un petit peu à l'extrême pour que ça se voit en photo, mais donc c'est le fait d'avoir cette attitude de confiance en soi qui rend très bien. Donc ça, il y a soit des poses qui vont être plutôt très macho en fait, très cliché, qui vont rendre bien, donc par exemple les bras croisés ou par exemple avec les jambes écartées, etc. ça rend bien. Sinon tout simplement de faire regarder droit dans l'objectif et de lever un petit peu le menton. Ça tout de suite, que ce soit sur une pose masculine ou féminine, ça rend tout de suite ce côté un petit peu pédant mais qui rend bien quoi. Voilà, comme tu peux voir, moi j'ai pris mon copain parce que je sais que c'était quelqu'un qui avait vraiment zéro expérience en pose et en modèle photo, et pourtant je trouve que je suis vraiment trop contente du résultat que les photos ont donné. Lui aussi a dit que finalement il était à l'aise et qu'il aimait le résultat et que finalement avec le shoot,
comme il était guidé et qu'il avait des idées de pose, ça s'était bien passé. Donc il n'y a pas de raison que toi tu puisses pas le faire avec n'importe quel modèle que tu vas trouver. Donc n'hésite pas par exemple à garder cette vidéo avec toi ou à la partager avec ton modèle avec qui tu vas shooter, ou alors à écrire les conseils quelque part et à chercher des exemples d'images de pose que tu peux ensuite montrer à ton modèle pour qu'il soit un petit peu plus confiant. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile, et moi je dois te dire merci pour avoir quand même participé au sondage, parce que même si vous avez fait du 50-50, j'ai vu que ça vous intéressait ce genre de sujet. Et donc du coup, très prochainement, pas forcément la semaine prochaine mais bientôt, je vais vous faire la vidéo sur l'autoportrait. J'en ai déjà fait une, mais celle-là elle sera un petit peu différente avec d'autres conseils. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche. Et aussi mets un petit pouce sur cette vidéo si elle t'a été utile, c'est vraiment très utile pour moi et ça m'encourage et ça m'aide beaucoup. Et sur ce, comme d'habitude, je te fais des gros bisous. Ciao !